Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on avait déjà fait sur la chaîne. Mais bon, on refait, on a fait pas mal de vidéos jour vos cadeaux, j'ai pas mal de nouvelles affaires dans les premières pages. Du coup, c'est parti, je vais vous expliquer comment ça marche. Mais avant, juste je vais remercier Galop pour la salutation. Merci beaucoup pour ta salutation, j'adore son look avec la peau bleue, j'ai limite envie de me faire un truc pareil. Tellement c'est beau, j'adore. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ta salutation, ça fait plaisir. On va aller directement dans mes affaires, on va se mettre à poil et comme d'habitude si vous voulez faire ce défi, il n'y a pas de souci, je vais vous expliquer et bien sûr vous pourrez me partager vos looks, bien sûr vu que c'est voilà, c'est assez aléatoire, hein, mais bon ça vous le savez. Voilà, on enlève tout, on se met à nu devant tout le monde. Et en fait moi j'ai un site pour voilà, tirer des chiffres aléatoirement. Je vais vous le montrer, je le mettrai dans la description pour les personnes qui sont intéressées pour faire ce défi. Et bah écoutez, c'est parti, on commence d'abord par les hauts. Si on tombe sur une robe, on passe directement aux chaussures, etc, etc. On prend pas du coup les pantalons. Si on tombe sur un haut, une pièce, du coup on passe par l'étape des pantalons. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut y aller. Donc voilà, ici moi j'ai choisi une valeur de 1 à 30 pour la page. Du coup on va lancer ça, tirage 6. Donc on descend, alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon ça va, on n'est pas allé super loin. Alors voilà le choix qu'on peut avoir parmi les vêtements que nous avons. Et bah là il y a combien d'objets? 12. Et là je change, je mets 12 maximum, de 1 à 12, et on lance, et c'est 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc on est tombé sur un haut simple. Du coup on va passer par l'étape des pantalons, parce que sinon voilà, on va pas la laisser en slip la pauvre. On remet sur 30, on lance, et c'est 3, bon bah ça va pas loin, on a des petits chiffres là. Alors, sur le 3, on a ça. Bon, on peut tomber sur quelque chose de sympa. Franchement, en plus, vu que c'est un haut noir, franchement, ça va avec tout. C'est le truc que je peux au moins être contente, c'est que là, franchement, ça va avec tout. Après, voilà, que ça aille sur un truc un peu plus voilà, original, comme la jupe à fleurs ou je ne sais quoi. Mais bref, on va aller voir ça tout de suite. On va mettre 1 sur 12 et on lance. Et c'est le 6 qui revient encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien écoutez, pour l'instant, je suis agréablement surprise. C'est plutôt sympathique tout ça. Pour les chaussures, pareil, on fait de 1 en 30. Je sais même pas si j'ai 30 pages, attendez, je ne sais pas. Bref, on va quand même mettre 30. Oh non, 29. Et là, t'étais contente tout à l'heure de tirer des petits chiffres, la quinzaine. Et dès que t'en as un gros, bah là, il n'y a plus personne. Hein. Je sais même pas si j'ai autant de pages pour les chaussures en vrai. Voilà, page 29. J'aimerais bien tomber sur les noirs là. Ce serait idéal. Ce serait perfect. Ou sur celle-ci. Ouais, je pense ceux-là. Ou les blanches. Ou ceux-là. Bon, ceux-là, ça pourrait être pas mal aussi. Bref, on va les voir. Et là, on va mettre sur 12. Et on lance. Et c'est le 3. 1, 2, 3. Bon, c'est pas les noirs, mais les blanches, ça va très bien. Pour l'instant, on est très, très chanceux. Hein. N'hésitez pas à voir le premier défi aléatoire que j'avais fait. On s'en était pas si bien sorti que ça. Mais bon, c'est pas fini. Avoir les accessoires, on va trouver la coupe. Et là, pareil, hop, sur 30. Et on lance, et c'est 22. On va remonter à la page 22. Non, franchement, là, la tenue, elle est correcte. Elle est même plus que correcte. Hein. Hop, 21 et hop, 22. Et voilà, on est arrivé au 22. Ouh, là, je verrais bien. Là, ouh, on a de l'originalité, là. Entre la coupe, là, de Sailor Moon, celle-ci qui est horrible. Si je devais en choisir une, je pense que ce serait celle-ci. Celle-ci qui correspondrait le mieux. Après... celle-ci, enfin quoique celle-ci elle est pas mal avec les petits rubans noirs, ou celle-ci, ou même voir celle-ci, mais franchement j'aimerais pas tomber sur ça, 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 ça ou ça.
Enfin bon, c'est pas moi qui décide, sinon ce serait trop facile, ce serait pas un défi aléatoire, on est tombé sur la 10, je crois que c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est celle-ci. Non, franchement, ça va. Franchement, pour le moment, c'est un look qui passe partout, un look normal, c'est assez rare. Mais ce n'est point fini, puisqu'il y a encore derrière les accessoires. Alors la page numéro 10... Les accessoires, c'est le pire. Parce que j'ai tellement le bordel dans mes accessoires. Vous voyez, si on trouve un petit poussin. J'aimerais bien tomber soit là-dessus, 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 là-dessus. Enfin, je crois que les 4 là, en fait. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Et c'est parti. 5. Non. Sérieusement. Et bah écoute, vu que c'est un collant, on va essayer de retirer encore quelque chose. Et là, c'est 13. Hop, 1, 2, 3. Voilà, ça, c'est la page numéro... Non, ça, c'est la 12. Voilà, 13. Je veux même pas savoir ce qu'il y a. Ça sera la surprise du chef. On lance et c'est 11. Donc, c'est l'avant-dernier, c'est celui-là. Ça passe. Bah, on va retenter encore. Si ça tombe sur quelque chose qui remplace, on annule. Sinon, on continue. Parce que c'est vrai que là, par exemple, on peut encore tomber sur un accessoire pour le visage ou pour les cheveux. Donc, on peut encore retenter... l'expérience. Alors 21 20 21, pareil, je regarde pas ce qu'il y a, c'est la surprise du chef. Hop, et on lance et c'est 9, c'est ça je crois. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ouais. Ah bah non. Bah non 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 non, ça va pas, faut que je remette la veste. Ça remplace. Je pensais que ça allait mettre par-dessus, mais pas du tout. Alors, attendez, c'était quoi? C'était sur le 13, je crois, la page numéro 13. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le look aléatoire. Hop. Voilà, bah, écoutez, ça va, franchement. Franchement, il y a juste les collants qui font tâche. Mais sinon, le look en soi-même, il est vraiment bien, d'ailleurs. Hop, on va le valider. Le look en soi-même est sympathique, franchement, à part les collants, bien sûr, je rappelle. Sinon, tout va avec tout. Désolée si vous entendez la tondeuse, encore une fois. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais vous laisser. Et comme je vous l'ai dit au début, je vous mets le lien du tirage de chiffres. Donc, c'est un site, si vous voulez refaire le même. Et n'hésitez pas à m'envoyer des images sur Instagram. Vous m'envoyez une petite photo de votre look et vous me l'envoyez en privé sur Instagram. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.